Christophe de Bonneuil pour sa chronique. Christophe peut le faire. Et alors, si je peux me permettre, hein, juste histoire de t'introduire, enfin façon de parler. Hein, attention à ce que vous dites. Christophe, son objectif cette semaine, c'était de s'incruster au mariage de David Douillet, le judoka, hein, qui se mariait donc ce week-end. Le sportif préféré des Français. Sans y être invité, évidemment, je n'en dis pas plus. Version, je suis un peu en retard, je me dépêche. Bonjour David, excusez-moi, je suis un peu en retard, je me dépêche. Je suis ravi pour vous. Hein. Et là, on est après la cérémonie. Jacques Chirac. Alors, qu'est-ce qui se passe, Jacques Chirac? Alors là, j'ai repéré le président de la République, donc je m'y précipite. Alors tais-toi, on regarde les images. Ouais, on regarde tout de suite. Monsieur le Président, bonjour, toujours présent aux grands événements, bravo! Bravo! Et tu restes à côté de lui! Monsieur Chirac est toujours là quand il faut, c'est un vrai plaisir! Ils sont derrière les barrières, hein. Fais coucou! Ah, Christophe! Bah oui, il y a peut-être des gens qui me disent coucou dans la masse! On sait jamais, il n'y en a pas que pour le président. Hein. Et là, je vois le président, les bras ballants. Il n'avait pas de pétales de rose. Voilà, je lui offre quelques pétales pour asperger les mariés à la sortie de l'église. À lui et à Franck Leboeuf. Très content de moi, j'avoue. David, une poignée de main peut-être aussi technique qu'une prise de judo, une prise de main aussi technique qu'une prise de judo pour vous dire que vraiment vous avez choisi la plus belle femme du monde. Bravo! Bravo! La Marseillaise, s'il vous plaît, pour ce monsieur. T'es un top! Un top! Oh là là!